La fête des Normands revient à Cherbourg le samedi 24 septembre avec le gros des animations sur la place de Gaulle. Objectif, mettre en avant les différentes valeurs qui font la fierté d'être normand. Un événement organisé par l'Union Cherbourg Commerce et qui a su au fil des années s'imposer comme un rendez-vous incontournable. Florence Viatek, présidente de l'UCC, nous présente cette fête des Normands 2022 à Cherbourg. Alors le 24 septembre, le samedi, de 11h avec l'ouverture du village jusqu'à 20h le soir, et c'est une succession d'animations, de démonstrations, de déambulations et de concerts. C'est la 8e édition et nous on est vraiment très satisfaits de voir que c'est une fête qui grandit tous les ans. On a des entreprises, on a des exposants, on a des groupes, on a plein de monde qui viennent nous demander d'une année sur l'autre pour pouvoir participer à la manifestation. Donc c'est la preuve quand même d'une réussite et quelque chose qui est vraiment très implanté. Et pour cette fête des Normands, Made in Cherbourg, comme chaque année, un village sera installé place de Gaulle autour d'un programme chargé entre démonstrations, danse, ateliers ou encore concerts. Le village ouvre à partir de 11h. À partir de là, vous avez par exemple l'initiation de danse avec Patou dès 11h sur la place de Gaulle. Chacun peut venir voir, c'est pas du traditionnel du tout, c'est toute danse confondue en fonction des personnes qui seront présentes. Et puis après, vous avez des concerts. Donc, vous avez 3 concerts qui vont succéder sur la place de Gaulle sur une scène mise en place par les services techniques de la ville. Vous avez également des déambulations. Alors, avec le petit Capet de Brie qui fait à la fois de la démonstration de danse adulte sur la place de Gaulle à 15h30 et à 17h30. Et puis aussi une démonstration par les enfants dans les Éléis qui accueillent eux également un atelier culinaire qui se déroulera toute la journée autour du thème de la carotte. De 18 à 20h, on a le traditionnel bal folk qui a un succès depuis la première édition où ils sont venus participer. Et c'est vraiment un moment qui est très attendu par la population, qu'elle soit aguerrie ou non aux danses traditionnelles. C'est vraiment un moment chaleureux, de partage, de sourire. C'est vraiment très agréable à suivre. Et au niveau des exposants, pas moins de 17 chalets seront mis à disposition par la ville. Il y en aura pour tous les goûts, avec quelques nouveaux pour cette édition 2022. On a pas mal de nouveaux. Comme je le disais, quelque chose qui est installé dans le territoire des manifestations de la ville. On a pas mal de nouveaux qui nous rejoignent, à la fois des entreprises d'Avranches, par exemple, avec des créateurs de bijoux, etc. Des entreprises qui travaillent la peau de saumon. On a aussi Leroy Merlin qui nous rejoint encore cette année pour la deuxième fois pour faire des ateliers autour de l'éco-responsable. Donc voilà, on a vraiment une multitude de manifestations et d'exposants qui sont là. On aura 17 chalets, plus des structures éphémères, ça nous représente en tout 24 exposants. Et un qui est notable, c'est le comptoir de Hagen, avec qui vous réserve aussi une petite surprise en plus de son artisanat. On retrouve le programme sur le site de l'UCC, sur le Facebook de l'UCC aussi, Union Cherbourg Commerce sur Facebook. Et puis, on peut aussi l'envoyer par mail aux personnes qui nous le demanderaient. Florence Viatek, présidente de l'Union Cherbourg Commerce et organisatrice de cette fête des Normands 2022. Rendez-vous le samedi 24 septembre de 11h à 20h sur la place de Gaulle à Cherbourg.